Bonjour à tous, j'espère que vous allez super super bien. Nous allons faire ensemble votre tirage, donc un tirage de la nouvelle lune en bélier. Donc c'est une nouvelle lune en bélier qui va également ouvrir une période donc de, également solaire du taureau. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder, mais là on va surtout se concentrer sur la nouvelle lune en bélier. On va regarder un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle lune veut nous apprendre, qu'est-ce que cette nouvelle lune veut nous dire. Donc ici, ce sont des cartes que j'ai au préalable remuées pour les signes, pour des énergies signe par signe. Avant de nous pencher sur les énergies signe par signe, on va se pencher alors je vais prendre mes petits bouquins que j'ai ici et on va regarder ensemble plusieurs significations. Donc on va regarder avec ce petit bouquin quelle énergie la nouvelle lune vous apporte ici. Alors, on a un petit cœur ici avec une fleur, ok. Foncez et ne changez rien si vous souhaitez que vos désirs se réalisent. Voilà, on vous incite ici à la persévérance. Ensuite, on va regarder un petit peu la protection des anges pendant cette nouvelle lune en bélier de façon générale. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Voilà, on vous invite à être persévérant, mais votre ange gardien vous invite aussi à être créatif et de créer quelque chose qui est important pour vous. Ok, bon. Ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles. Alors ça, je vais les mettre là, les livres. Voilà. On va faire ensuite la deuxième phase, donc le travail. Donc avant d'utiliser ces signes-là, donc le tirage des signes, je vais regarder un petit peu avec vous les énergies principales. Les énergies principales, alors celles-ci, je vais les mettre là, avec mes tarots et oracles. Alors, le tarot de Marseille. Alors, celle-ci, voilà. Alors, on va prendre le grand jeu du tarot. Donc, ouais, il est énorme, il est grand, vous le voyez avec moi. Et voilà. Donc avec ce jeu, on va essayer d'analyser ensemble un peu la découpe. Donc ça c'est général, hein. C'est pas que pour les signes, ça c'est ce que la nouvelle lune elle peut apporter. Donc là c'est, voilà, qu'est-ce que la nouvelle lune apporte pour vous, la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune du 20 avril. Valet d'épée. Ok. Et un empereur inversé. Alors, est-ce qu'il est inversé totalement? Ouais, il est inversé cet empereur. Ok. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu des frustrations. Il y a une histoire d'ego ici. Il y a une histoire d'ego, d'un ego qui est trop fort, qui est trop mal placé. Vous avez face à vous peut-être donc tous les signes de manière générale, du mal avec une autorité, avec l'empereur inversé ici. C'est une autorité qui est trop forte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à une autorité. On a envie de se libérer, mais se libérer par la réflexion, par la pensée. C'est ça aussi qui ressort ici. Donc l'empereur, c'est également l'énergie du bélier. Donc le bélier, ici, on voit qu'il est quand même inversé. Donc le bélier inversé, c'est vrai qu'il est extrêmement têtu. Il est extrêmement têtu, donc c'est peut-être ça aussi qui va être influent chez vous. C'est un aspect, c'est cet aspect-là en fait, un petit peu, voilà, comme ça, entêté en fait, des bêtes à cornes. Et c'est vrai que pour certains, vous aurez du mal à accepter un peu l'autorité d'un homme, de pouvoir, ou alors ça peut être aussi votre compagnon, l'autorité d'une personne qui peut un peu contrecarrer vos ambitions. Et là, on a envie, parce que le bélier développe aussi l'ambition, vous vous dites, c'est votre heure, vous avez aussi envie de réussir, vous avez aussi envie d'avoir comme ça cette ambition qui ressort. Donc ça, c'est important. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à tout ça? Alors, pour moi, ici, avec cet empereur donc inversé, c'est vrai qu'on va insister sur le côté très têtu d'une personne aussi. Vous êtes face à une personne qui ne veut pas changer ses idées, qui est butée, ici, clairement.
c'est une personne qui est butée. Et avec le valet d'épée, on peut voir aussi que vous êtes aussi un petit peu sur votre garde parce que vous vous dites que ça ne sert à rien, cette personne ne changera jamais. Voilà, c'est ce que la nouvelle lune peut développer chez vous ici d'une façon tout à fait concrète. Il y a un sentiment aussi de frustration qui ressort ici. Quel est ce sentiment de frustration? Vous êtes frustré parce qu'il y a un désir d'évoluer, il y a un désir, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas évoluer. On vous empêche cette évolution. Vous pouvez être frustré aussi parce que vous ne voulez pas qu'on colporte des mauvaises choses à vos sujets, qu'on vous offre une mauvaise réputation. Vous pouvez être frustré aussi pour certains parce que vous avez tendance ou vous avez offert une confiance aveugle à une mauvaise personne. Voilà. Et peut-être aussi parce qu'on ne vous prend pas au sérieux. C'est peut-être ça aussi, cette frustration. Mais si on ne vous prend pas au sérieux, ce n'est pas forcément de votre faute. C'est parce qu'avec l'empereur, vous êtes face à un interlocuteur ou une interlocutrice qui est extrêmement dur ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui est déséquilibrée, qui souhaite juste vous mettre des obstacles, qui est un adversaire et qui disperse votre énergie en fait. Donc voilà, vous pouvez être face à une personne qui est arrogante, narcissique, donc en fait, ou dominateur. Donc en fait, on vous dit que finalement, il ne faut pas gaspiller votre énergie face à ces personnes-là. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition possible. De toute façon, vous pourrez être face à des personnes, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous pourrez être face à des personnes qui, de toute façon, n'ont pas envie de vous donner une quelconque chance ici. Alors, on va regarder maintenant l'énergie avec le tarot persan, l'énergie de la nouvelle lune en bélier qui ressort pour vous. Quel message ? Comme ça. Reine de coupe. Bon, déjà, on est dans quelque chose de plus sentimental ici. Ouais. On est dans quelque chose de sentimental. Avec la reine de coupe, on est basé ici sur ses émotions. On est dans l'amour, on offre son cœur. Il y a une énergie nourricière. La nouvelle lune, elle apporte beaucoup de belles choses au niveau de l'amour. Donc le tirage d'avant, c'était peut-être quelque chose qui était plus lié, hein, vous savez, à cette énergie en nouvelle lune. Hein. On vous dit, voilà, de ne pas disperser votre énergie. Mais par contre, on vous dit qu'au niveau de l'amour, il y a des très belles choses qui arrivent. Alors maintenant, avec l'oracle de la voix des âmes, quel message ? La colère, ok. Alors, la nouvelle lune, elle peut apporter un peu de colère. Vous allez sentir la colère autour de vous. Alors, on va se regarder. Manque. Ouais. Ok. Je vais rajouter une troisième carte parce que pour que ça soit un petit peu plus clair. Et une carte qui est tombée. Donc, vous avez la communication. Donc ici, j'ai l'impression que avant cette nouvelle lune, donc avant la nouvelle lune actuelle, peut-être qu'il y a eu une amélioration parce qu'on était déjà en bélier. Ouais, le karma, donc on va dire que c'était plutôt sur la période du mois de février-mars. Il y avait une personne qui était en colère contre vous. Maintenant, après la colère, donc on peut parler de sentiment, cette personne, avec cette nouvelle lune, ça lui ressort l'énergie du manque. Cette personne, maintenant, vous lui manquez. Et maintenant, elle va rentrer de toute façon en communication avec vous d'une façon assez régulière. Bon, ok. Alors, maintenant, on va regarder les signes. On va regarder un peu signe par signe ce que l'on a à nous apporter, ce que l'on a à nous dire ici. Donc, on a l'oracle des sorcières, l'astro crush, le béline, l'oracle des miroirs et mes 12 signes, j'espère. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Alors, les 12 signes, dans quel ordre vont-ils apparaître ici? Ça, c'est mes signes. Ensuite, l'oracle de la voix des âmes pour les 12 signes.
avec la nouvelle lune en bélier, bien évidemment. Alors, je vais essayer. Oui, c'est bon. Je pensais que c'était pas bien cadré. On va les mettre là. Le béline pour les 12 signes avec l'énergie de la nouvelle lune. Ok. Pareil pour l'astro crush. Que des sorcières. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Donc ça, c'est des énergies. Hein. Médite pour t'apaiser, accepte l'amour. Donc là, on vous incite à méditer, à vous recentrer sur vous, à accepter l'amour. Bon. Soleil et étoile. Oui, ben, on est vraiment là dans les énergies lunaires. Écoute la sagesse. Hein. Ouais, la lune va apporter les synchronicités, je pense. Alors, on peut commencer, donc comme je vous l'ai dit, donc je tire ici une carte et suite à cette carte, on va regarder un petit peu toutes les énergies, donc une carte du signe du zodiaque, on va regarder un peu toutes les énergies qui ressortent ici. Alors, pour le Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire, il y a quelque chose par rapport à la loi, donc ça peut être aussi l'équilibre. Maladie. Ouais, il y avait un déséquilibre. Il y avait un déséquilibre émotionnel. Et c'est vrai que la nouvelle lune, parfois, elle peut vous déséquilibrer émotionnellement, dans le sens que vous pouvez mal dormir, par exemple. Thème d'amour. Bon. Ouais. Ok. Je pense que, voilà, vous avez un déséquilibre émotionnel, mais la lune, ce qu'elle peut aussi vous apporter, donc ça, c'est plutôt une lune, les Sagittaires qui vous apportent du conseil, c'est que vous avez... en face de vous ou avec vous, une personne qui vous aime vraiment d'amour, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, et cette personne, elle peut vous rééquilibrer émotionnellement. On a accepte la destinée. Ouais. On vous dit de lâcher prise face à l'amour, d'accepter votre destin. Ça, c'est important. Donc, on accepte cette destinée, et j'ai l'impression aussi que, voilà, peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer dans une histoire d'amour, les Sagittaires, parce que vous êtes encore un peu ancré dans le regard des autres, dans des critiques. Vous n'avez pas envie de recevoir des critiques, mais là, on vous dit de vivre votre amour et de laisser vivre votre destinée. Donc là, c'est un conseil avec cette nouvelle lune, de ne pas être... c'est des critiques qui ne vont pas durer, on va dire. Donc, voilà. C'est des critiques qui... Peu importe, en fait, ce que vous faites, on vous critiquera tout le temps, de toute façon. Donc là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre histoire d'amour, les Sagittaires. Les Poissons, maintenant. Avec la nouvelle lune en bélier. Donc les Poissons, moi j'ai l'impression que... alors il y a la trahison, retard. Ouais, la trahison c'est un retard. Il y a des choses qui retardent, qui tardent, qui tardent. Et vous le Poisson, bah, ça vous perturbe. Vous ne voulez pas de ce retard. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... les Poissons, vous êtes un petit peu... comment dirais-je? Vous êtes... alors, retard, timidité... Ah oui, c'est ça, ouais. J'ai l'impression, en fait, le Poisson, que vous osez pas. Vous osez pas aller de l'avant, et si vous osez pas, bah, c'est d'autres personnes qui prennent un peu les rançons, les lauriers de la gloire. Et vous, bah, ça peut vous perturber un petit peu. Pourtant, on voit que changement et progrès. Ouais, cette nouvelle lune, elle vous apporte peut-être plus de confiance en vous, les Poissons. Parce que vous allez ici vers le changement, vers le progrès... vers une stabilité également sentimentale. Peut-être que vous avez vécu une trahison par rapport à vos émotions. On vous a trahi sentimentalement, on vous a trahi émotionnellement. Et puis il y a eu du retard, des choses qui ont mis du temps à se débloquer. En plus, la timidité, c'est-à-dire que vous avez du mal aussi à exprimer vos sentiments. Et là, vous allez vers quelque chose de mieux, avec une belle stabilité émotionnelle. On quitte les torrents pour aller vers une eau plus calme, comme ce petit personnage. Alors, les Balances, maintenant. Les Balances, l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant intérieur? Il faut voir. Union. Non. Alors, pour certains, il se peut que vous allez être en couple avec une personne que vous connaissez depuis peut-être votre enfance. Pour d'autres, si vous êtes en union, vous avez envie d'avoir un enfant dans votre vie. Alors, on va essayer de voir. Le passé. Ouais. Non, pour moi, j'ai l'impression qu'il est tout à fait possible pour vous qu'il y ait une union avec une personne de votre passé. Mais un passé vraiment loin, les Balances. Ouais. Peut-être que c'est un changement aussi qui est positif pour vous.
ça va, c'est parce que vous sentez qu'il y a des belles choses qui arrivent et il y a des belles énergies du passé. Hein. Là, les balances, on le voit, vous êtes dans ce ressenti-là. Et honnêtement, il y a quelque chose de très beau, une belle période, de la chaleur, de la douceur, de la beauté qui arrive pour vous, les balances. Alors, les capricornes maintenant. Les Capricornes, l'homme. Donc ici, on voit que cette nouvelle lune, de Bélier, en Bélier, elle ne va pas trop être atteindre vos sentiments, vos émotions, mais plutôt les aspects concrets et matériels de votre vie. Et on a encore l'étoile de l'homme. Alors là, vous allez être dans une, on va dire, dans une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, purement masculine, purement égotique ici. Éloignement. Ouais. Alors là, vous allez vous éloigner de vos sentiments pour vous ancrer dans la vie concrète et matérielle, les Capricornes, magie de l'eau. Bon, magie de l'eau, ça peut dire d'une certaine manière que on peut vous inciter à prendre un bon bain, à faire une belle baignade, hein, selon là où vous êtes, à vous ressourcer près de quelque chose qui est lié à l'eau. Pour certains, si c'est vous éloigner pour aller à la mer ou à l'océan, peu importe, hein, ça peut être ces choses-là. Mais c'est vrai que pour moi, alors pour moi aussi, ça peut dire parce qu'on a l'éloignement, il est là. Pour moi, peut-être aussi que vous vous éloignez d'une personne et vous essayez de, donc avec les deux étoiles, l'étoile de l'homme et l'empereur, vous essayez de camoufler à fond vos sentiments et d'agir de façon concrète. En tout cas, vous vous forcez, vous vous efforcez à vous éloigner d'une personne par rapport à ça. Mais on voit que c'est que temporaire puisque il y a un retour qui va être possible, mais pas avec cette nouvelle lune. Là, vous voulez montrer vraiment votre ego. Alors, les scorpions. Avec l'énergie de la nouvelle lune. On a la joie, les scorpions. Ouais, bon. Les scorpions, c'est une nouvelle lune en bélier qui vous apporte de la joie, l'amour. Donc, la joie concernant vos amours. Bon, là, c'est clair. Manque de confiance. Ouais. La joie concernant vos amours. Alors vous pourrez être face à une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, hein, là c'est clair. Vœux et prières. Ouais. C'est le moment aussi avec cette nouvelle lune de prier, de demander des souhaits. Peut-être c'est vous aussi qui manquez de confiance en vous. Et ce qui vous rend heureux les scorpions, c'est que vous avez un amour qui vous redonne cette confiance en vous justement ici. Peut-être aussi vous allez récupérer quelque chose, donc c'est lié à vos amours, vous allez récupérer quelque chose qui vous revenait, d'une certaine manière. Bon. Les Gémeaux, avec la nouvelle lune en bélier. Les Gémeaux, la correspondance, famille, ouais. Beaucoup de correspondance, beaucoup de discussions, donc peut-être à distance avec la famille. Il y a des hésitations, vous savez pas trop, vous savez pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que vous hésitez à correspondre avec des histoires, des affaires ou des personnes de votre famille. On a hiberne et régénère, donc vous préférez rester ici dans votre grotte, en hibernation, dans votre trou, pour ne pas prendre de décision par correspondance concernant la famille. Ouais. Bon, c'est particulier. Ouais, il se peut aussi, voilà, vous allez rester, les Gémeaux, vous allez rester dans votre petite cloître, vous allez rester chez vous. Peut-être que si vous avez des sorties à faire en famille, bah non, vous allez un peu vous éloigner de votre famille. Alors si vous êtes avec votre famille, peut-être que vous allez rester dans votre petite chambre, voilà, un petit peu isolé des autres, parce que vous hésitez. Bon. Les Vierges, qui sont actuellement dans leur pleine lune, hein. C'est la phase de la pleine lune en Vierge qui a débuté. Okay. Donc, ils sont déjà normalement très ancrés sur cette émotion. Qu'est-ce que la nouvelle lune en bélier vous apporte? Alors, il y a un compromis. Honneur. Waouh! Alors, ouais. Vous allez pouvoir, comme cette poignée de main serrée, négocier, concilier, avoir un beau compromis, les vierges. On va vous faire honneur, là, avec cette nouvelle lune en bélier. Ouais, ça va être un partage. Je pense que vous allez avoir un partage important avec une personne, des discussions. Et autour de ces discussions, vous allez négocier, on va accorder ce que vous souhaitez, on va vous faire honneur. Il y a des oui, hein, il y a des oui qui vont arriver. Médite pour t'apaiser. Et là, les vierges, vous allez rentrer dans cette nouvelle lune de bélier dans un sentiment d'apaisement total parce qu'on va vous dire oui, parce que les compromis vont fonctionner, parce que le partage va être ici excellent d'une certaine manière.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Ouais, il y a aussi un sentiment aussi un petit peu de secret, hein. De secret, vous allez être un peu content, les vierges, parce que vous allez être mis et mises dans la confidence. Alors, les lions, avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier. Les lions, on parle ici d'une séparation. Changement. Ouais, par rapport à une séparation, il y a un changement qui est en train de se produire actuellement. Donc, ça, c'est vraiment sur cette lune-là. Donc, sur les 29 prochains jours de la lunaison, à partir du 20 avril. Du 20 avril jusqu'à. Bon, je vous laisse compter. Les 29 prochains jours, il y a un changement qui est en train de s'opérer par rapport à votre séparation, les lions. Et vous allez pouvoir enfin ici accepter l'amour. Donc, on est dans un beau partage. Vous allez pouvoir accepter ici l'amour et j'ai l'impression qu'il y aura des discussions concrètes pour mettre les choses au plat ici. À plat. Au plat, à plat. Alors, les béliers, donc un peu c'est les stars, hein, puisque on rentre de nouveau dans une nouvelle énergie en bélier. Vous êtes toujours là, les béliers. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, la distance qui est importante, les plaisirs. Alors, peut-être pour certains, c'est une envie de voyager, hein, tout simplement. Ouais. Vous êtes attiré, vous avez envie de voyager, de partir loin, hein. De partir, ça vous attire, ok. Mais dites pour créer. Donc là, vous allez peut-être mettre en place, vous allez avoir la tranquillité avec cette nouvelle lune en bélier pour pouvoir mettre en place peut-être un projet de voyage, quelque chose dans cette optique-là. Vous allez, voilà, vous allez avoir un peu une vue d'ensemble, vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des projets, par rapport à des choses qui doivent être faites ici. Oui, bon, on peut voir aussi que l'arrivée du printemps, d'une certaine manière, vous rend un peu en joie ici. Les cancers. Alors, les cancers, cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle met en avant? Une accusation, réussite. Ouais, j'ai l'impression que les cancers, il y a une réussite, il y a une histoire de réussite là avec cette nouvelle lune en bélier, mais j'ai l'impression que vous pourrez être très, on va dire, victime du regard des autres. Parce que vous allez réussir et forcément il y a des personnes jalouses qui vous pointent du doigt et c'est vrai que ça peut vous perturber ça. Tu lui manques. Ok. Affirme ta croissance. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une personne, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être, enfin, c'est pas forcément une personne de cœur, ça peut être une personne de votre famille, mais il y a une personne à qui vous manquez, en fait. Parce que vous avez des possibilités de réussite avec cette personne, ça peut être amical, etc., sentimental, vous avez des possibilités de réussite, mais c'est vrai que vous êtes extrêmement dans le regard des autres. Et là, on vous dit d'affirmer votre croissance, de vous détacher des autres et de vivre votre vie à vous ici. Ça, c'est important. De vivre votre vie. Vous rentrez avec cette nouvelle lune en bélier dans un nouveau cycle sur les 8 prochaines années. Donc là, les cancers, c'est important surtout de vous détacher, d'affirmer votre croissance pour les 8 prochaines années parce que ça peut vous apporter une réussite. C'est ou ça vous apporte une réussite ou alors vous restez toujours dans le regard des autres et il n'y a pas d'évolution. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, cette nouvelle lune en bélier, elle vous apporte une évolution. Présent. Ouais. Une évolution. On va vous faire plaisir. Parce que là, c'est le présent dans le sens les cadeaux, bien évidemment. Le don, les cadeaux. Alors, on va voir. Fuis-moi, je te suis. Oui, bon, il y a une histoire de cadeaux, il y a une histoire de personnes qui viennent, qui partent, des fuis-moi, je te suis. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Parce que ça pouvait un peu vous perturber. Et là, vous allez entrer de toute façon les Verseaux dans une période de renaissance et de réinvention. Ouais. Alors, avec cette période de renaissance et de réinvention, ce que l'on peut quand même dire d'une certaine manière, c'est que voilà, vous êtes en phase avec vos émotions, vous sortez, entre guillemets, comme cette personne-là sur la plage, hein. Et c'est vrai que voilà, vous êtes dans vos émotions, donc là on voit qu'il y a des petits crabes, est-ce que cette personne va marcher sur les crabes? On ne sait pas. Mais de toute façon, vous êtes vraiment en phase avec la nature. Vous allez entendre des belles choses. Il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous. Et il y a toujours ce petit chat qui vous attend, qui vous protège. Vous allez vous retrouver vous-même avec votre âme et votre spiritualité. Et pour finaliser, les taureaux. Alors, les taureaux pour la nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'on a? Tranquillité. Les nouvelles lunes en bélier, elle va favoriser votre tranquillité, votre état de méditation. L'étoile de la femme. Alors, vous, l'étoile de la femme,
Donc c'était l'inverse de qui? Alors c'était qui avait les hommes? Ah, c'était les Capricornes. Alors pourtant ce sont des signes de terre. Vous allez être à l'inverse des Capricornes, puisque là, les taureaux, vous allez être plongés sur vos états émotionnels. Et il y a une tranquillité par rapport à votre état émotionnel qui arrive ici. Ouais. Et cette tranquillité avec son état émotionnel, pourquoi vous allez être tranquille? Parce que vous allez avoir la certitude que votre autre pense toujours à vous, a envie de faire des choses avec vous, a envie d'organiser des choses avec vous, cède à la passion. Ouais. Il y a aussi du désir, il y a de la passion. Donc ça vous tranquillise aussi. Vous allez être en accord avec ça, clairement. Donc on a ici ce sentiment, voilà, on cède à la passion. On peut aussi vous dire que vous pouvez avoir du succès par rapport à une activité que vous faites, par rapport à une passion, si vous la mettez en avant. Vous pourrez vivre peut-être de votre vie avec ça. Vivre de gagner de l'argent, on va dire de cette manière-là. Hein. En tout cas, il peut y avoir des victoires également, des signatures professionnelles hein, qui ressortent. Mais sinon, d'une certaine manière, là, on est vraiment la tranquillité sentimentale puisque la personne, elle pense tout le temps à vous, elle envisage de faire des projets avec vous. Bon, il y a de la passion, il y a du désir. Ça ressort de toute façon. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, donc la prochaine fois nous passerons en lune du taureau. Donc là c'est vrai que c'était un petit peu particulier puisque la dernière nouvelle lune était bélier, mais parce que c'était un nouvel an astrologique. Là on a fini le nouvel an astrologique et on recommence en bélier. Donc là c'est en 2-2, donc le bélier c'est vraiment, on insiste sur un nouveau cycle qui se passe ici dans votre vie. Donc qui sait, peut-être qu'il va se passer des très très belles choses pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.